facile à installer. Donc, pour cette étape-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va présenter l'interface, on va présenter la structuration et puis créer un espace de travail avec les entrepôts. Les entrepôts, là, je crois que, comme elle a dit tout à l'heure, les entrepôts de type Shapefile, les Shapefile qui sont, que vous avez envoyé, que vous avez déjà inséré dans votre base de données, s'il y a d'autres Shapefile qui ne sont pas dans la base de données, vous pouvez créer un entrepôt Shapefile pour les faire venir aussi. Tout à l'heure, elle a dit que vous devez laisser le fichier raster de l'autre côté et qu'au niveau du serveur cartographique, on les fait venir. Donc, à ce niveau-là, on va créer l'entrepôt de type raster pour chercher à faire venir ce type de fichier spatio-pointif. Et puis, le plus intéressant même, c'est l'entrepôt base de données. La base de données qu'on a créée, lorsqu'on crée l'entrepôt de la base de données au niveau des serveurs, où le contenu de la base de données est approuvé en une fois, et puis on peut créer les web services avec ça. Donc, bon, je pense qu'on aura le temps de publier ces différentes couches-là et de créer des agrégats. Ensuite, très important, il faut en créer les styles. La dernière fois qu'on faisait le cours, je vous ai dit que si vous êtes très fort dans la conception, dans on appelle ça, la rédaction des codes, là, vous pouvez créer vos codes. Mais bon, on pourrait aussi utiliser QGIS pour permettre de créer, de générer des codes style format SLD pour les appliquer à nos différentes pages. Donc, au niveau du serveur, on va essayer de balayer ça puis jusqu'à midi, midi 30, lorsqu'on aura fini. D'accord. D'accord, merci pour ça. On va tous démarrer JoServer. Comment on fait pour lancer JoServer? Comment on fait? Oui. On tape ça où? D'accord. Qu'est-ce qu'on tape? Oui, après. Pourquoi 80-80? Pourquoi c'est 80-80? Le bon qu'on a utilisé. D'accord. Et après, qu'est-ce que je tape? D'accord. Donc, on prend un navigateur, on tape le K11, le port qu'on a utilisé pour installer JoServer et ensuite JoServer. On le fait ensemble, tout le monde. Ah, si on sera sûr qu'on est connecté. Pour ceux qui ne sont pas connectés, on se connecte, nom d'utilisateur, on a dit c'était nom d'utilisateur. Et le mot de passe. D'accord. Donc, pour ceux qui ne sont pas connectés, connectez-vous. J'espère que vous avez écrit tout ça, que vous pouvez bien garder. Quelqu'un qui a commencé à mettre au roux ici, là. Mélanger, hein. Annie, est-ce que c'est bon? Oui, madame, c'est bon. D'accord. La première chose qu'il faut faire, c'est créer d'abord son espace de travail. Quand tu veux bosser sur un projet, tu crées un espace de travail propre à chaque projet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dans l'espace de travail. Il faut noter le support aussi. Il y a ces différentes étapes-là. On va supprimer tout ce qui est là. Ça ne nous concerne pas. Ça ne concerne même pas la Côte d'Ivoire. Ça ne concerne pas l'Afrique. Donc, on va cocher simplement tout ce qui est là. On coche tout, 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 tout. Et on fait retirer les espaces de travail sélectionnés. On supprime tout ce qui est là. Ça ne concerne pas l'Afrique et ça ne nous concerne pas. On va supprimer tout ce qui est là. Donc là, on n'a rien du tout. On va commencer. Par défaut, c'est venu avec ça. Donc, ça ne nous concerne pas. On va supprimer. Qu'est-ce que je fais? On va créer un espace de travail. On va cliquer simplement sur ajouter un espace de travail. On est en train de développer une application qui est liée au cadastre. On va créer un espace de travail qu'on va appeler cadastre en majuscule.
CADAS. Vous voyez, il y a les lots, il y a les îlots, il y a la section. Donc, ce sont les informations qui sont liées au CADAS. Donc, on crée une application qu'on appelle CADAS. Ensuite, l'UR, c'est toujours en minuscule. www.cadas.com. On peut mettre CI, mais CADAS CI ou bien CADAS, je ne sais pas. Pour ceux qui sont au Sénégal, pour ceux qui sont au Cameroun, CMF. On va cocher espace de travail par défaut. Et on va cocher envoyer. Allons tout seul. On va vérifier nos informations. Vous cliquez simplement sur l'espace de travail. Vous cochez activer. Vous allez voir que vos informations que vous avez paramétrées, on a paramétré. Vous allez voir quelles sont vos informations qui sont là. Vous cochez simplement activer. Vous cochez simplement activer. Vous allez voir que vos informations sont là. C'est pas bon? Je reviens. On était restés dans l'espace de travail, on était tous là. On est d'accord. Je clique sur l'espace de travail que j'ai créé et je coche activer. Je suis allé nulle part. Vous n'avez pas vos informations là? Ah, peut-être que ceux qui n'ont pas fait l'installation avec nous, on va cocher simplement les différents services qui sont à ce niveau. La première séance qu'on a installée, Jo Server, on a fait la configuration du point de contact. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait cette configuration, vous n'aurez pas ces informations-là. On ne pourra pas revenir dessus. On a beaucoup de choses à faire. C'était juste pour vérifier que ça a récupéré automatiquement l'information du point de contact. Donc, la seule chose qu'on va faire maintenant, nous, à notre niveau, c'est activer tous les services WMS, WCS, WFS, ainsi de suite. On va voir pourquoi est-ce qu'on active ces services. Ça va nous aider lorsqu'on va vouloir développer avec Mapbender. Si vous n'activez pas les services, vous ne pouvez pas diffuser sans WMS ou bien WFS. Donc, c'est très important. N'oublions pas que le but, c'est de créer les web services. Donc, vu qu'on veut créer des web services, il faut qu'on active ces différents services. On est d'accord? Donc, si on a activé simplement, on fait sauvegarder, on va en bas, et on fait simplement sauvegarder. Donc, mon espace de travail est bien là. À ce niveau, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On a créé l'espace de travail. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va connecter notre base de données à notre espace de travail pour pouvoir publier nos couches. On va connecter la base de données, c'est ajouter un entrepôt de données. Un entrepôt, c'est quelque chose qui, c'est un peu comme, en fait, au niveau de GeoServer, c'est une hiérarchisation. Un espace de travail, c'est un ensemble d'entrepôts. Un entrepôt, c'est un ensemble de couches. Donc, si tu n'as pas créé d'entrepôt, tu ne peux pas appeler une couche. Tu n'as pas créé un espace de travail, tu ne peux pas créer un entrepôt. Parce qu'on crée des espaces de travail, des entrepôts dans des espaces de travail et tu ajoutes des couches dans des entrepôts. Donc, c'est la suite. C'est une suite logique. Tu ne peux pas sauter une étape. Pas sauter une étape. Il faut d'abord voir l'espace de travail. Après, tu ajoutes ton entrepôt. Après, maintenant, tu ajoutes tes couches. L'entrepôt, là, c'est en fonction du type Le type de de couche pièce. que tu veux ajouter. Donc, on vient de créer l'espace de travail. Maintenant, la seconde chose à faire, c'est d'ajouter ton entrepôt de données. On va d'abord ajouter un entrepôt de type raster. Après, on va ajouter un entrepôt de type base de données. On va commencer par le raster. Pour ajouter un entrepôt, vous voyez à ce niveau, il y a entrepôt. Clique simplement sur entrepôt. Et à ce niveau, il y a ajouter un entrepôt, bien retirer un entrepôt. Donc, on veut ajouter. On clique simplement sur ajouter un entrepôt, un nouvel entrepôt. Maintenant, quel type d'entrepôt vous souhaitez ajouter? Si c'est une base de données, on choisit PostgIS. Si c'est un ShapeFile, on choisit ShapeFile. Si c'est un raster, on choisit simplement raster. On va commencer par raster d'abord. Donc, à ce niveau, vous voyez les sources de données images. Il y a Geotiff.
On va ajouter un entrepôt de type géotif. On commence par le raster. Géotif. On va donner simplement d'abord le nom à notre entrepôt. On va appeler ça exactement comme on a écrit. Attendez, je vais revenir dans les données raster. Spatio. On va appeler notre entrepôt spatio. Spatio. On va commencer par S majuscule, spatio. Les entrepôts, on va mettre nos entrepôts en majuscule, je m'excuse, spatio, pour différencier. La description, on peut donner une description. Cet entrepôt contient notre image raster. Raster. Simplement comme ça. Ensuite, où est-ce qu'on a déposé l'entrepôt? Très important. Au niveau de GeoServer a son dossier de sauvegarde de stock des données. Donc, qu'est-ce que je fais? On regarde ensemble ici. Je vais copier simplement mon image spatio. Je copie spatio. On copie ensemble. Je copie spatio. Ou bien, je pourrais copier même le dossier raster. Qu'est-ce qu'on fait? On copie raster, c'est ça? On copie tout le dossier raster. Copions tout. Non, madame. Pardon? Madame, est-ce qu'on copie le dossier raster, madame? Copions le dossier raster. On copie le dossier raster. À l'intérieur de raster, il y a spatio, non? On va copier le dossier raster. On va ensemble dans Windows 10, 10C. Ensuite, programme file. Attends, mon jeu serveur est dans programme 86. Attends, je reviens. Moi, je suis dans programme 86. OK. Vous retrouvez le dossier jeu serveur. Est-ce que vous avez vu pour, à votre niveau? C'est bon? On va dans 10C. Ensuite, programme jeu serveur. Tout le monde à ce niveau. Ensuite, on ouvre le répertoire DataD, Data Directory, le répertoire des données. Ensuite, Data. Et on va déposer simplement notre dossier raster à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'on sauvegarde là? C'est pour éviter de supprimer par inadvertance, et également, lorsque tu es dans un jeu serveur, tu peux directement l'appeler facilement, sans souci. C'est bon, on a déposé? Jeu serveur, data dit, data, et on dépose à l'intérieur. Je reviens maintenant au niveau de mon navigateur. À ce niveau, on va rechercher où est-ce qu'on a sauvegardé notre dossier. On va simplement aller dans parcourir. Directement, lorsqu'on clique dans Parcourir, on tombe directement dans le dossier Data. Vous voyez votre fichier raster est là. Et vous choisissez simplement Spatio. On est d'accord? On est tous à ce niveau, c'est bon? Oui, à ce niveau. Vous avez déposé déjà au niveau de Data. Vous n'avez pas copié le dossier. Qu'est-ce que je fais? Je viens copier simplement au niveau de mes outils TP Web Mapping, données, data, le dossier raster. Je copie le dossier raster. Je viens dans 10C. Ensuite, programme 86. Ou bien programme pour ceux qui sont à 64 bits. Ensuite, je cherche GeoServer. Ensuite, data dit. Ensuite, data. Et je dépose le dossier raster à l'intérieur. Je copie simplement le dossier raster à l'intérieur. Si j'ai fini de copier, je retourne au niveau de mon navigateur, retourne au niveau de GeoServer. Je viens d'en parcourir. Et là, je recherche mon dossier data.
Ensuite, le raster, et je choisis mon image. On sera tous à ce niveau. C'est bon? Et je fais sauvegarder. Vous voyez que là, on a un copeau de données est là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va connecter notre base de données. Là, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a des petits paramètres à insérer. Après, on voit comment ajouter les couches maintenant. On ajoute d'abord les entrepôts de données. On a ajouté un entrepôt de type raster. On va maintenant ajouter un entrepôt de type base de données. Chez Fight, c'est le même principe que raster, là. Je peux juste aller appeler l'image, la donnée là-bas. On va maintenant faire base de données. Base de données, qu'est-ce que je fais? Je reviens dans entrepôt. Entrepôt, c'est là. S'il vous plaît, madame, j'ai une Oui. question. Oui. Là, on a dans l'entrepôt des données, on a ajouté une seule image. Maintenant, si on aimerait ajouter plusieurs images au sein de l'entrepôt. C'est pourquoi il faut fonctionner avec les bases de données. Les bases de données, tu as la possibilité d'ajouter une base de données qui a beaucoup de couches, plusieurs couches. Mais l'entrepôt, ça vient juste avec une seule donnée. Entrepôt de type raster, ça vient avec une donnée. Donc, si tu vas ajouter en plus du M, tu vas ajouter le MNT ou bien la pente, tu vas encore ajouter un entrepôt que tu vas appeler MNT, un second entrepôt que tu vas appeler pente, ainsi de suite. C'est pourquoi on demande à chacun d'avancer plutôt les bases de données. Là, tu appelles juste la base de données et là, il y a toutes tes couches à l'intérieur. D'accord. Madame, s'il vous plaît, une question. Une couche d'information n'a pas, c'est pas une base de données, c'est une couche dont la couche vient juste avec son information. Mais la base de données vient avec toutes ses couches. Je vous écoute. Madame, ici, le raster, on dispose de ce raster-là. Bon, en considérant que certainement j'ai une image en ligne que je vais utiliser, je procède comment? Oui, on peut ajouter des entrepôts de type web service. Quand tu vas dans la liste des entrepôts, là, tu vois tous les types d'entrepôts qu'on peut ajouter. On peut ajouter des WMS. Là, ce sont des web services en ligne. On peut ajouter des WMTS. Donc, là, ce sont des web services en ligne. Mais pour des images, on peut ajouter ce type de format. Pour des vecteurs, on peut ajouter ce type de format et autres. Okay. Donc, on va maintenant voir comment ajouter un entrepôt de type base de données. Donc, je vais dans entrepôt toujours. Ensuite, ajouter un nouvel entrepôt. Ensuite, ajouter un nouvel entrepôt. Je vais ajouter un entrepôt de type database. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends un entrepôt de type PostgIS. PostgIS simple. Donc, je clique simplement sur PostgIS. Parce qu'on a déjà choisi PostgIS simple. Pourquoi c'est compliqué la tâche? On a habitué un PostgIS. Ou bien. Le nom de la source, là c'est juste un nom, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste pour se retrouver. Donc on va appeler simplement notre source. On va l'appeler base de données. Bon, on va appeler webmapping. Webmapping. On met en majuscule webmapping-8 db. Bon, on met ça comme ça. On peut mettre une description ou bien on laisse tomber. Ensuite, les paramètres. Le host, local host. Le port 5432. Le port, c'est le port de Postgre. Ce n'est pas le port de JoServer, c'est différent. Ensuite, le nom de la base donnée. Ici, maintenant, on met le nom en respectant la case. On respecte exactement la case comme on a écrit au niveau de PGAdmin. Webmapping DB, on respecte la case, c'était en minuscule. Exactement comme on a écrit au niveau de Webmapping DB. Si vous n'êtes pas sûr de la case, vous lancez simplement PGAdmin pour vérifier. Vous lancez simplement PGAdmin pour vérifier. Moi, je vais vérifier. Là, c'est webmapping. Je peux aller directement dans SQL et je copie webmappingDB. J'ai mis BD, pourtant c'est BD, c'est BD, j'ai mis. Le chemin, nos couches sont dans quel chemin? Je vérifie. Quand je regarde, mes couches sont dans le chemin public. Donc, je me rassure que là, c'est le chemin public, c'est bon. Le username que j'ai utilisé pour installer Postgre, c'était Postgre.
Le mot de passe, poserai. Ensuite, je coche d'exposer mes clés primaires. Et ensuite, je vais simplement sauvegarder. Si c'est bon, ça va faire que le régal réussit. Et vous allez voir toutes vos couches qui vont s'afficher. Équipement, îlot, route, section. Cochez. Aline, est-ce que c'est bon? Votre version, on va demander, vous essayez quelle version de proposerie. C'est bon. Non, mais on ne touche plus rien, on laisse tomber le reste par défaut. Il faut laisser ça comme ça, ne touche pas. Ah, c'est le rail qui est là. En ligne, est-ce que c'est bon? Madame, moi, il y a un petit souci. Vous demande d'installer les versions simples de poste de là. En fait, madame, moi, depuis que j'ai importé les couches là de QGIS, là, lorsque je viens dans PG Admin, là, la base de données n'est plus visible. Pourtant, quand j'essaie de recréer, on dit ça existe. Il Ça faut existe bien. actualiser. Je Même ferme quand mes vous utilisez, ça ne voilà. passe pas. C'est bon chez qui en ligne? Personne n'a réussi en ligne. Le username se pose vraiment. Donc, je vais reprendre. Entrepôt. Ajouter un nouvel entrepôt. Et choisir Port Diaz. Je mets un nom. Au moins, je vais mettre juste comme ça parce qu'il est déjà créé. Description. On peut mettre une description ou pas. Ce n'est pas nécessaire. Le host, local host. Le port, 5432. Le nom de la base de données. On copie exactement le nom de la base de données en respectant la casse. Exactement le nom de la base de données en respectant la casse. On évite les espaces. Si tu mets les espaces, tu auras un message d'erreur. Exactement le nom de la base de données. Le schéma public. Le username, PostgreSQL. Postgres. Le mot de passe, PostgreSQL. Postgres. On coche, expose primary key. On laisse le reste par défaut, on ne touche plus rien du tout. Hein? On ne touche plus rien du tout et on fait sauvegarder. Et ça passe. Qui a réussi en ligne? Même pas une personne. Hein? Faut changer là-bas. Faut vérifier que tu as respecté ton mot de passe, mets la casse sur le nom de la base de données. C'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque version de France. On ne définit pas, on laisse pas défaut. On ne touche rien là-bas. On met une connexion alors. Ça veut dire qu'on a une connexion. Pourquoi?
Une version sale, 12. La version 12, on est sale, n'est pas une bonne excuse.
Il n'arrive pas à connecter pour jouer un jeu seul. Qui a pu connecter? Toi, tu n'as pas connecté. Il y a deux personnes. En ligne, est-ce que vous avez pu connecter en ligne?